Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est un petit concours chance, donc en partenariat avec Perlaya qui a bien voulu me donner des petites choses pour m'aider à faire un lot. Donc c'est super sympa de sa part, donc à la vendeuse de Perlaya. En plus elle est super gentille, donc je vous conseille d'aller voir son site, c'est vraiment super. Donc le lien sera dans la barre d'infos. Alors pour le concours, c'est très simple, c'est un concours chance. Donc il suffit de mettre un commentaire, je participe, tout simplement. Et donc vous serez tiré au sort, enfin peut-être tiré au sort, via le site random.org. Je sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pas moi qui choisis le gagnant. Sachant qu'il y en aura 3. Donc un lot où Perlaya m'a aidé à faire, et les deux autres, c'est moi qui les ai pris, qui les ai pris. Ah, bref, voilà. Je les ai pris de ma. Je sais pas comment dire ça. Enfin, de mon propre argent et tout ça, donc c'est vraiment moi qui paye en plus les frais de port et tout ça. Donc voilà. Et donc pour participer, il faut tout simplement aimer ma page Facebook, donc qui s'appelle Les Créations d'Alix. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et aussi être abonné à ma chaîne, déjà que c'est un concours pour mes 250 abonnés. Enfin à peu près, hein, parce que déjà que je voulais en faire un pour mes 200 abonnés. J'ai même pas eu le temps que je suis presque aux 250, donc ça me fait super super plaisir, je vous remercie. Donc voilà, donc il faut être abonné. Et voilà, et si vous voulez bien aimer la vidéo pour que je puisse voir approximativement, enfin globalement, combien il y a de personnes qui participent au concours. Voilà, donc je vais tout de suite vous montrer les lots. Alors, je vous montre les lots de Perlaya. Donc déjà, il y a une grosse pince comme ça. Un petit lot de perles. Un peu dans le thème rose, enfin la couleur rose, deux breloques Peace and Love, deux anneaux de porte-clés, une paire de créoles, quatre griffes 1 cm, un support à bague et j'ai rajouté deux straps noirs, quelques pitons et quelques tranches de canne. Voilà pour le premier lot. Ensuite, le deuxième lot. Voilà. Donc, il y a deux gros lots pastels, trois straps noirs avec anneaux, un support à bague, deux griffes, une canne tranche, enfin, part de gâteau, une paire de boucles d'oreilles américaines, à peu près 20 pitons, un support à barrette. Je sais pas si on voit là. En tout cas, il y a un support à barrette ici, là, on voit. Bref, voilà. Et deux breloques handmade. Et vous avez aussi ce sachet. Donc ça avec un nœud, avec un anneau. Et quelques perles, un mix de perles. Voilà. Ensuite, pour le troisième lot. Donc je dis troisième lot, mais c'est pas par ordre, comment dire. Là où il y en a le plus ou il y en a le moins. J'ai essayé de faire à peu près pareil, sauf pour le premier lot, il est un peu mieux que les autres. Alors, pour le troisième lot, il y a une paire de puces avec les bouchons. Deux straps, deux supports à bagues, un handmade, enfin une breloque handmade, une breloque muffin. Je crois qu'il y a deux paires de boucles d'oreilles américaines. Il y a deux griffes, à peu près 20 pitons, une canne roulée au chocolat. Et un petit bout d'Oyumaru. Voilà. Et vous avez aussi ce petit sachet, donc de perles, toutes mignonnes, avec un nœud chocolat, donc cette fois sans anneau. Voilà, donc j'espère que ce concours vous fait plaisir et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut!